Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Là, la pensée positive. Plus tu te focalises sur ce que tu veux et plus tu t'éloignes de ce que tu ne veux pas, tes pensées t'aident à réaliser tes rêves. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'il y a comme un changement intérieur qui est en train de se mettre en place pour vous. On nous montre ici que c'est quelque chose qui se fera de plus en plus ressentir. Tu vas te retrouver dans un état où on a l'impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes en train de laisser la personne que vous étiez de côté pour réellement devenir la personne que vous voulez vraiment être. Cette personne qui ne se laisse pas manipuler par son mental, par ses émotions, la personne qui a pleinement le contrôle sur sa vie. Bon, On a la lumière intérieure. Être soi-même est la seule façon de faire pour être accepté pour qui on est. Accepte les compliments, certains voient la belle personne que tu es. Tu vas y arriver. C'est bien ça. Il y a des jours avec et des jours sans. Retiens bien cette phrase qui dit que le début ne laisse pas présager la fin. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, avant, les émotions pouvaient nous pousser à aller dans des directions pas très favorables pour nous, tu vois. Nos pensées pouvaient nous empêcher d'avancer sereinement sur notre chemin. On n'était pas en mesure de voir en réalité ce qu'on était en capacité d'apporter aux personnes autour de nous. Il y avait comme un manque de confiance. Ça fait peut-être un manque d'estime, tu vois. Et aujourd'hui, on a vraiment cette impression que tu remplaces tout ça. Là, c'est le grand changement. Moi-même, à l'intérieur, je suis une personne différente. Déjà, je me sens, tu vois, je me sens bien, tu sais, dans ma vie. Et petit à petit, ah, je me dis, je peux y arriver. Peut-être j'ai toujours eu la possibilité d'y arriver. Peut-être que jusqu'à maintenant, en réalité, tu vois, ben, j'ai été sur le bon chemin. On a l'impression que vous y voyez de plus en plus clair. Comme si les choses devenaient logiques pour vous, tu vois. Au début, peut-être, on me disait, ouais, mais oui, mais Martine, t'es une belle personne. Moi, Martine, une belle personne. T'as vu, des fois, je tire la tronche. Le matin, j'ai pas envie de me réveiller. Parfois, tu me dis, je suis une belle personne. Hein? J'ai vraiment cette impression, tu sais, qu'on. Non! On pouvait pas se voir en réalité, tu sais, comme on était. Non, c'était pas possible. Et j'ai vraiment cette impression, tu sais, que plus le temps passe et plus c'est quelque chose, limite, c'est logique. Oui, c'est vrai, en réalité, moi, Martine, je suis une personne, j'écoute les gens. C'est vrai, moi, Martine, je suis une personne, je suis pas mauvaise, c'est vrai. J'aurais pu faire du mal, tu sais, aux personnes qui m'ont manqué de respect. J'aurais pu les mettre dans la sauce, mais j'ai rien fait de tout ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez, mais surtout. Vous devenez, vous voyez, comme cette personne que vous avez rêvé d'être. Ou pour moi, c'est cette personne que vous avez toujours été, tu sais. C'est moi, j'aimerais bien avoir confiance en moi. J'aimerais bien, en réalité, voilà, comprendre les autres, savoir pourquoi mes relations ne fonctionnent pas et toutes ces choses. Et c'est fou parce que toi-même, tu as passé ton temps à chercher alors que tu savais déjà, en réalité, dans certaines situations. On range le passé dans un coin. On range en réalité, vous voyez, comme une façon de nous voir aussi, tu sais, comme dans un coin. Et on accepte pleinement en réalité ce qui arrive vers nous. Ouais. Oh, aujourd'hui je suis bien, tu vois, je suis de bonne humeur. Ok, Martine est de bonne humeur, tu sais, on avance seulement avec les collègues et tout, tu vois, c'est bonne humeur. Demain je suis pas de bonne humeur, ben, j'ai pas envie de rigoler, ben, je rigole pas, tu vois, c'est. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est comme si vous vous étiez forcé. Je me force à être bien tous les jours, puisque bon, voilà, il faut être bien tous les jours. Tu sais, après, les collègues vont te demander pourquoi tu tires la tronche. Après, les enfants vont te demander pourquoi tu ne fais pas des frites. Tu vois, c'est. Ah, on a l'impression, en réalité, que vous voyez, que pour certains, jusqu'à maintenant, c'est il fallait rester debout. Moi, mais je suis resté debout. Hein. Mais si! Il fallait faire les choses, donc jusqu'à maintenant, tu vois, j'ai fait les choses. Et puis, il y a eu comme une espèce de ras-le-bol. Moi-même, j'arrête de sourire parce que j'ai plus envie de sourire. Et puis moi-même, j'arrête de me prendre la tête. Et puis, c'est quoi cette histoire? Je me prends la tête tous les jours. On a vraiment cette impression, vous voyez, que. Non, non, là, maintenant, moi-même, j'ai envie d'avancer en légèreté, tu vois.
Tout ce qui est trop lourd pour moi, moi-même, je le laisse de côté, je ne veux pas me casser le dos. Une personne, en réalité, tu vois, est bien aimable, bien gentille, je fonctionne avec elle. Une personne essaie de me mettre, tu vois, comme dans un déséquilibre à l'intérieur, comme tu vas glisser, je vais t'aider, tu vois, comme à prendre la porte. On a vraiment cette impression, vous voyez, que. Mais non, je ne peux pas laisser, tu vois, comme toutes ces situations et. Non, et puis toutes les personnes, tu sais, autour de moi, m'entraver, moi, Martine. Oh. C'est pas possible. Hein. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, jusqu'à maintenant, c'était, voilà, moi-même, j'ai laissé, j'ai envie de dire, comme ma propre personne de côté. Voilà, parce qu'au travail, il faut être au top. Alors moi, je tire la tronche jusqu'à ce que j'ouvre la porte de la personne, tu vois. C'est. Il fallait. On a l'impression, vous voyez, que pour certains, vous avez. Passer votre temps, vous voyez, comme voilà, comme l'ambiance n'était déjà pas top, donc moi-même j'ai essayé, tu vois, comme de mettre une ambiance dans tout ça, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau professionnel, et puis je réalise en réalité que. Mais même moi, je me suis oubliée dans ça. J'ai oublié de me faire sourire, j'ai oublié de me faire plaisir, j'ai oublié en réalité, tu vois, comme de me regarder, et puis petit à petit, c'est comme si, ben. C'est comme si les personnes autour, tu vois, t'as fait enlever ton énergie ou ta lumière ou ta bonne humeur parce que j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est. Vous êtes des personnes positives de base. Vous êtes des personnes souriantes. Vous êtes des personnes, j'ai envie de dire, avec une énergie de malade mental, mais. Ouais. C'est toujours une personne qui t'a l'ordi, tu vois, en chemin. D'où tu vois les coupures et les séparations. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est. Toi-même, tu peux être mal, mais j'ai l'impression que le jour où tu décides, tu vois, comme de ne plus être mal, par contre, tout ce qui te faisait mal, c'est glisser tous en même temps, tu vois, c'est voilà. On va un peu plus loin, tu vois, jouer à la marelle. Là, Martine reprend le contrôle. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous fonctionnez par envie, mais on fonctionne quand on réalise en réalité qu'il n'y a plus de solution. C'est moi-même, je peux trouver des solutions à tout va, tu vois, pour les personnes autour de moi. Par contre, moi-même, quand je réalise que j'ai même plus un espace pour réfléchir, oh, ça va pas le faire. Moi-même, quand je réalise en réalité que je m'entrave de l'intérieur ou à l'extérieur dans mon évolution, oh, ça va pas le faire. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'était comme un besoin, tu sais, de se recentrer. Mais pour moi, c'est comme si on avait besoin d'arriver, tu vois, comme au bout du bout pour se dire, ah bon, il faut agir. Eh ben. J'ai pas agi depuis tout ce temps, j'agis seulement, tu vois, sur mes situations. Et vous êtes en train de reprendre le contrôle pour certains, on nous montre ça. Hein. Oui, on repose les pieds sur terre. Et on nous parle vraiment, pour moi, de situations pour certains où direct ça va se voir. Oui, direct ça va se voir en réalité que ton état d'être est en train de changer, puisque ton état d'être change et ça se manifeste aussi à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on va te montrer que tu es pleinement maître en réalité, tu sais, comme de ta vie et de tes pensées. On va te montrer en réalité que c'est toi qui attires, hein, tu vois, comme les situations positives, mais c'est toi aussi qui laisses les situations, tu vois, comme pas très positives t'envahir. Et non, on parle vraiment pour moi de situations pour certains où c'est pas toi en train de devenir, oui, tu es en train de devenir aussi, tu vois, en avançant, ben, la personne que tu veux être, puisque ton émotionnel qui t'a toujours peut-être envahi et tes pensées négatives qui t'ont toujours envahi, ce sont des choses, tu vois, que moi-même je maîtrise ça aujourd'hui. Non, Martine avance. Hein. On parle vraiment pour moi, vous voyez, comme des situations pour certains où c'est fou parce que ça sera partout pareil. Je ne fais pas de distinction. Dans le travail, tu m'embêtes, tu vas glisser. Au niveau des amitiés, tu m'embêtes, tu vas glisser. Tu es de la famille, mais tu me manques de respect. Toi-même, tu glisses aussi parce que moi-même, me retrouver dans des états comme ça, je ne peux pas avancer, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'arrive même pas, tu vois, comme à m'occuper de ma propre personne ou à sourire, à rigoler alors que je suis une personne comme ça. Oh, bienveillance pour ma personne, bienveillance pour les autres après. Je prends moi ou je retrouve, tu vois, comme toute une énergie. Je me mets d'accord en réalité sur le positionnement à adopter avec les personnes autour de moi. C'est ok pour moi, ça sera ok pour vous ou c'est tant pis pour vous. Et on a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, mais je crois que c'est le truc que tu devais faire depuis hyper longtemps. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Mais c'est le truc en réalité, tu vois, que tu devais faire depuis hyper longtemps, puisque jusqu'à maintenant, moi-même, je me demande, est-ce que je dois dire à Michel, voilà Michel, tu vas reculer un peu de moi, tu m'étouffes un peu, tu vois. Moi-même, je réalise que j'ai pas dit à Bernadette, tu vois, les choses. Maintenant, on va dire les choses, tu vois, comme elles sont, puisque, ah bon, bienveillance pour tout le monde et puis pas bienveillance pour Martine. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est. On risque d'avoir, tu vois, comme cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est moi-même, je me suis manqué de respect. Eh ben,
J'ai laissé Michel me dire n'importe quoi, plutôt que de lui tourner le dos. J'ai laissé Bernadette, j'ai envie de dire, dans certaines situations, croire en réalité que j'étais un dindon. Et bien, moi-même, une personne, j'ai envie de dire, franche ou ouverte comme ça, on a l'impression, vous voyez, que pour certains, vous étiez, vous voyez, comme à avancer dans votre vie, mais toi-même, t'avances comme un poisson dans l'eau, toi-même, t'avances sur ton chemin, t'es bien seulement. Et puis, petit à petit, j'ai envie de te dire, c'est... Ouais. Je lui faire mal. Toi-même, tu es dans la bienveillance extrême, tu vois, avec les personnes autour de toi, puisque j'ai vraiment cette impression que vous êtes aussi le genre de personne, comme on voit ici, vous êtes le genre de personne, vous savez vous maîtriser. Ça veut dire en réalité que quand tu sens que ta langue risque de fourcher ou que tu risques de sortir à une personne autour de toi, tu vois, quelque chose d'hyper blessant ou quelque chose qui risque, tu vois, de le ou la détruire, toi-même, tu te dis, attends, moi, je vais faire un tour à la forêt, puisque ça risque de partir, tu vois, comme dans tous les sens. Et puis tu t'en vas, tu tournes le dos et puis tu gardes tout à l'intérieur. Mais c'est le fait, il faut que je te dise les choses. C'est le fait en réalité, tu vois, comme d'avoir tout gardé à l'intérieur qui fait que dans certaines situations, why? Je me suis rendue malade, tu vois, mais là je repose les pieds sur terre. Et on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où j'ai l'impression que le fait d'être dans cette énergie-là, tu vas tracter, tu vois, toutes tes situations vers le positif, oui, comme un tracteur. Tu vas tracter, j'ai envie de dire, comme toutes ces émotions et... Toutes ces émotions vont te permettre, tu vois, comme de, voilà, moi, mais je vais tirer ma vie, tu sais, vers le haut. Je vais tirer ma personne, tu vois, pour qu'elle puisse aller de l'avant, puisque, eh ben, je me suis trop oubliée, non, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et on parle vraiment, pour moi, de situations, tu vois, où tu auras, j'ai envie de dire, comme les premiers retours, mais très rapidement. Ça veut dire que tu vas arriver dans ton environnement professionnel, comme tes dents sont dehors toute la journée, on va dire, hey, Martine, ça fait longtemps, t'as pas vu sourire, ouais, ouais. Tu m'as bien saoulé ces derniers temps, c'est pour ça que je ne souriais pas. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous avez aussi la capacité de tourner pas mal de vos situations, vous voyez, entre guillemets, bon, un peu à la rigolade, mais c'est ce qui fait en réalité que vous avez toujours su faire passer, vous voyez, comme les messages autour de vous. Et c'est ce qui fait que vous avez toujours eu, vous voyez, comme ce franc-parler qui est toujours bien passé. Et puis, je ne sais pas pourquoi, tu as commencé, tu vois, comme à t'entraver, mais pour moi, c'est beaucoup en réalité que... Bernadette est déjà en souffrance, c'est moi, mais je lui dis en réalité que c'est parce qu'elle est agaçante que je ne réponds pas à mon téléphone, bon, elle va se vexer, tu vois, c'est vraiment ça. Michel est tellement, oh, Michel traverse tellement de moments difficiles là, que si je lui dis en réalité que moi, mais j'ai pas envie même de voir son numéro s'afficher sur mon téléphone, oh, ça va vexer la personne, tu sais, c'est... Et puis je prends, j'accumule, et puis je m'étouffe, et puis là, très rapidement, ben, j'ai vraiment cette impression que tu verras que, non, toi, tu peux tout dire. Hein. Toi, tu es le genre de personne, en réalité, tu peux tout dire. Non, je te dis les choses comme elles sont. Tu es le genre de personne, tu peux tout dire. Tu es le genre de personne où tu arrives dans n'importe quel environnement, tu peux être à l'aise si tu en as envie, puisque j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que quand vous sortez les choses, et même si vous avez vraiment cette sensation que ça peut faire du mal, peut-être, vous voyez, comme aux personnes autour de vous, vous avez une façon de sortir les choses, ou une façon de dire les choses, une façon, vous voyez, comme de... T'as une façon de regarder, une façon d'expliquer, tu vois, bon, Michel, franchement, t'es relou, hein, le dimanche matin, moi-même, j'aime bien dormir, tu sais, c'est... Michel, il comprend instinctivement qu'il faut te laisser dormir, tu vois, le dimanche matin, et il le prend pas mal. Toi... On a vraiment cette impression que par peur de perdre éventuellement les personnes autour de toi ou par peur éventuellement, tu vois, comme de les voir s'en aller, tu t'es empêché de faire ça. Là, tu verras en réalité que ça deviendra tout simplement différent puisque moi-même, je me retrouve, donc moi-même, je vais sortir les choses seulement, tu vois. Et c'est fou parce que quand tu le sortiras, j'ai envie de dire, ben, au premier collègue ou à la première collègue agaçante sur le chemin, tu verras en réalité que la personne prendra ça bien et que la personne te dira... Ah bon, d'accord, eh ben moi je vais te laisser dormir, mais non, je ne vais pas t'appeler le dimanche matin, je vais t'appeler seulement, tu vois, le dimanche à midi ou bien pendant la semaine, voilà. Comme tu ne veux pas que je t'appelle, tu sais, tu verras que la personne prendra hyper bien les choses et c'est fou puisque c'est vraiment ce qui va vous permettre, vous voyez, comme de voir votre vie différemment, mais c'est ce qui va aussi vous aider, vous voyez, à vous voir différemment puisque... Toi-même, tu as un petit rayon de soleil, on nous dit. Toi-même, tu veux toujours cacher le soleil. Comment les gens font pour voir la journée si toi-même, tu caches le soleil la journée? Toi-même, tu es bizarre aussi. Hein? On parle vraiment, pour moi, vous voyez, comme de situations où c'est exactement la même chose dans une relation ici, vous voyez, au niveau sentimental. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, jusqu'à maintenant, c'est... Moi, je me vois me lancer dans un truc. Bon, je sais que ça ne va pas forcément, tu vois, faire hyper plaisir à la personne autour de moi. Bon, je lui dis ou je lui dis pas. Et bon, Patrick, la semaine prochaine, reconversion professionnelle pour moi. Hein, et puis, tu tournes le dos. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que vous, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose... Non, j'ai pas envie de dire les choses parce que, voilà, j'ai pas envie de faire les choses, tu le feras pas.
Mais du moment où tu es dans l'envie, toi là, cette personne-là que je vois là, quand tu as envie de faire quelque chose, tu peux ne pas dormir de la nuit en réalité, j'ai envie de dire, juste pour réfléchir à comment demain tu vas dire les choses aux collègues. Tu vois, c'est. Non. Toi, tu es une personne en réalité, j'ai envie de te dire, toi-même, tu es le soleil, tu vois, dans la journée, tu veux cacher le soleil aux gens dans la journée, n'importe quoi. On parle vraiment pour moi, vous voyez, comme de situations où il y a des doutes et des hésitations aussi qui vont sauter, puisque jusqu'à maintenant, on a été dans l'acceptation de ce qui se passait. Ici, on nous parle dans le professionnel, on nous parle aussi, vous voyez, de ça par rapport à votre lieu de vie. Donc, ça veut dire qu'on pouvait se retrouver dans des situations, vous voyez, où, oh, moi-même, ça m'agace là, mais je vais rien dire aux gens, parce que si je commence à parler, on va me dire, c'est moi la méchante personne dans l'histoire. Et c'est fou parce que j'ai vraiment cette impression que du moment où vous sortez de cette indécision et que vous réalisez, en réalité, que bon, tu as le droit de dire, tu vois, à Antoine de ne pas se coller sur ta voiture puisque le matin tu sais pas sortir. Tu lui dis ça seulement, Antoine il entend, hein, tu vois, il peut faire la grimace, mais il entend quand même, tu sais. On a vraiment cette impression que vous avez. On était. Pour moi, tu étais dans un état pas favorable, tu vois, pas favorable à la communication, pas favorable, j'ai envie de dire, puisque. On a vraiment cette impression que vous pouvez percevoir tellement de choses, il faut le dire aussi, vous voyez, pour certains. Vous pouvez percevoir pas mal de choses qu'au final, ben, par moment, il suffit que tu te retrouves aux côtés d'une personne, que tu parles, que tu discutes avec elle pour réaliser que c'est ça ton problème. Moi, mais j'ai déjà vu depuis longtemps, t'as pas vu que c'était ça ton problème, tu vois, c'est. Je vais garder ça pour moi, la personne n'est pas apte, tu vois, c'est vous êtes des personnes, moi, tout est sens son éveil quand tu arrives dans un endroit, tout est sens son éveil en réalité quand tu arrives aux côtés d'une personne, et c'est vraiment ça en réalité qui fait le trop-plein, puisque j'ai les solutions aux problèmes des gens, oui, j'ai toujours eu les solutions, tu vois, aux problèmes des gens, mais écoute. Moi-même aussi, j'ai besoin de solutions pour ma vie, tu vois. J'ai de l'énergie à mettre, hein, j'ai envie de dire, dans toutes ces situations, dans mes relations, dans mes amitiés, dans mon professionnel. Moi-même, j'ai l'énergie pour ça. Toi-même, tu te connais, tu sais que quand tu as décidé de faire quelque chose, tu peux ne pas dormir de la nuit pour faire. Hein? On sait, tout le monde voit. Mais j'ai vraiment cette impression en réalité que la balance, elle était déséquilibrée, tu vois. Je ne peux pas donner aux autres tout le temps. Et puis, tu vois, comme ne pas me donner. Alors, les collègues qui ne sont pas contents, moi, ma fiche de poste, c'est écrit 17h. 17h, je glisse seulement, tu vois. On a réellement cette impression qu'au départ, même si ça te dérangeait, on dit, oui, mais il faudra rester jusqu'à 19h. Toi, tu te dis, ouais, mais mes enfants, mais ouais, mais j'ai ça à faire. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire ça après. Et puis, tu t'es retrouvé, tu vois, comme avec une accumulation de choses à faire. Tu t'es retrouvé, tu vois, comme avec un trop-plein aussi, tu vois, au niveau émotionnel. Parce que toi, tu sais que. Ouais, demain matin, si je n'aide pas la personne à faire ça, demain matin, on va terminer à 20h. La semaine prochaine, ça sera à 22h. Et puis ainsi de suite, comme ça, on va terminer tard jusqu'à dormir, tu vois, sur le lieu de travail. Donc, tu as encaissé, tu as encaissé, tu as encaissé jusqu'à réaliser en réalité que si tu te retrouves, tu vois, comme dans ce genre d'état, c'est parce que tu as encaissé, tu vois, tu aurais pu rejeter aussi. On a l'impression qu'aujourd'hui, ben, tu es totalement dans le rejet, tu vois, de ce qui pourrait te faire du mal, de tout ce qui pourrait t'éloigner, peut-être de tes enfants, de ta famille, de ta propre personne, et puis t'empêcher d'avancer et d'évoluer tout simplement. Là, le retour de Martine en force, et j'ai réellement cette impression que ça va faire du bien, tu vois, comme à énormément de personnes. Mais tu le verras, je te dis, la première personne à qui tu diras le dimanche matin, grâce matinée, la personne, elle comprendra, elle prendra ça, j'ai envie de dire bien, et tu verras en réalité que, eh bien, il fallait juste que je dise les choses. Eh bien, on nous parle de fidélité et d'engagement ici, vous voyez, dans votre sentimental. Et pour certains, on a vraiment cette impression que s'il n'y a pas de fidélité et de loyauté, s'il n'y a pas, tu vois, comme d'engagement auprès de ma propre personne, la porte est grande ouverte. On parle vraiment, pour moi, vous voyez, comme de situations où. Tu sais, c'est comme si tu remettais, j'ai envie de dire, comme tes valeurs au devant de la scène. Moi, je suis ce genre de personne. Celui qui veut prendre, il prend. Celui qui veut pas prendre, ben écoute, il laisse de côté et puis il glisse seulement parce que. Non. Ça suffit, tu vois, comme de se faire du mal et ça suffit, tu vois, comme de s'écraser. Nous-mêmes, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qu'on voit, hein, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a vu, on n'a pas vu les gens t'ont écrasé, on a vu les gens, peut-être, ils avaient abusé en réalité du fait que tu t'écrasais, c'est que, voilà, je peux mettre mal à l'aise les gens, tu vois, comme dans mes relations, je sais, je suis une personne en réalité, je suis déter, tu vois, même si je te dis je te veux, je sais que je peux partir avec toi. Pour certains, on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous êtes ce genre de personne, et dans vos relations.
Désolée, mais je vais te dire, moi-même, je vois, tu vois, que si toi-même t'as décidé, tu vois, comme de partir avec une personne, que tu sois totalement, j'ai envie de dire, en confiance ou pas du tout, toi-même, tu sais faire les choses pour aller prendre la personne et puis l'amener à un engagement. C'est ce qu'on nous montre. Moi-même, je te dis ça. Mais je sais pas pourquoi, ce qui s'est passé sur ton chemin, on a vraiment cette impression que t'as décidé en réalité que non, mais c'est comme si t'avais oublié la personne que tu étais. Non, toi-même, t'oublies. Tu as oublié la personne que tu étais, tu as oublié en réalité ce que tu pouvais apporter aux personnes autour de toi, tu as oublié seulement que voilà, tu étais le soleil et que le soleil il brille dans la journée. Et s'il avait envie de briller le soir, il pouvait aussi briller le soir, tu vois. C'est toi-même, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Et je pense que pour certains, vous avez déjà vu ça, vous avez déjà remarqué ça, mais on a l'impression que vous avez croisé en chemin une personne un peu trop impressionnante, tu vois. C'est la personne qui. Ouais, c'est la seule personne de ma vie que je me dis que je ne peux pas mener, tu vois, à l'engagement. Et puis tu as commencé à douter, alors que cette personne-ci, ben, je te le dis, hein, tu avais réellement la possibilité, tu vois, comme de la mener à un engagement, mais on a l'impression que c'était le coup de cœur de trop qui a fait paniquer. Tu sais, c'est. Il y a des personnes, tu les vois sur le chemin, t'as envie de les avoir. Tu te dis, moi, je vais attraper la personne seulement, tu vois, et puis je vais partir avec elle, et puis. Et puis il y a eu cette personne, j'ai envie de dire, un peu trop impressionnante ou qui paraissait entre guillemets trop bien pour toi et qui t'a fait paniquer. Donc au final, la situation n'a rien donné. Et depuis là, pour certains, manque de confiance. On est descendu en flèche, on a l'impression que c'était la bourse, tu vois. On a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains aujourd'hui, c'est j'accepte, tu vois, comme de me détacher de la situation, mais surtout j'accepte aussi le fait que. J'ai pas mené la personne à l'engagement parce que la personne m'a fait paniquer, quoi. Voilà. Et puis on continue à avancer. On parle vraiment, vous voyez, comme de situation pour certains ou ici. Hein. On vous montre. Hein. Vous avez la possibilité, vous voyez, comme de redevenir la personne, j'ai envie de dire, que vous avez toujours été et de vous engager, vous voyez, comme à rester cette personne. Parce que c'est cette personne, en réalité, qui a toute la capacité de tout retourner et pas la personne qui s'écrase pour faire plaisir et pas la personne, j'ai envie de dire, qui tente, j'ai envie de protéger tout le monde, mais pas sa propre personne. Hein? Je m'engage auprès de ma propre personne pour que je puisse avancer. Et dans cet engagement, tu vois, auprès de ma propre personne, ben, ah bon, tu veux venir et repartir en même temps? Tu glisses seulement. Et puis on continue à avancer. Donc on parle vraiment pour moi de situation pour certains où vous savez que vous avez du cœur. Vous savez que vous êtes des personnes attirantes. Vous savez en réalité que Tom t'a déjà officialisé, hein, tu vois, une ou plusieurs relations dans le passé. Donc tu sais aussi que tu sais faire. Donc tu vas te remettre sur tes appuis, c'est ce qu'on dit. Et puis tu vas continuer à avancer tout en disant en réalité que moi ce que je recherche, tu vois, c'est l'engagement. C'est pas la personne qui sera là le samedi et puis le reste de la semaine disparition inquiétante. C'est comme ça que tu vas te retrouver dans une relation équilibrée. Que tu sois déjà, tu vois, comme en relation avec une personne, ou que tu sois, j'ai envie de dire, en pré-couple, hein, maintenant on dit ça en 2024, que tu sois en pré-couple avec une personne ou que tu sois célibataire, tu vas te remettre bien, bien comme il faut sur tes appuis et tu vas continuer à avancer parce qu'on parle vraiment pour moi de situation où le bonheur, il est au bout du chemin. Non, c'est ce qu'on nous dit, moi, mais je te répète. On a vraiment cette impression, vous voyez, que cette personne trop impressionnante, pour certains, c'était une personne trop impressionnante, donc on s'est dit on ne pouvait pas la voir. Pour d'autres, ici, avec l'emprise, c'est la personne, en réalité, qui a pu être soit dans la manipulation, soit une personne qu'on aimait trop et du coup à qui on a laissé, j'ai envie de dire, faire ce qu'elle voulait à de nous. Soit éventuellement, c'était la situation où, oui, on est tombé love, tu vois, pour une personne qui ne nous méritait pas vraiment, et du coup, ben, ça nous a cassé. Là maintenant, tout ça, c'est derrière toi. On dit en réalité, le bonheur est à portée de main, il est au bout du chemin. C'est toi-même en réalité qui décides. Si tu avances, j'ai envie de dire, tout en légèreté, ou si tu te laisses alourdir par des situations qui n'en valent pas forcément la peine, puisque toi-même, tu sais. Comme on disait tout à l'heure, tu as les sens, j'ai envie de dire, bien éveillés. Tu sens seulement quand une personne, j'ai envie de dire, peut avancer avec toi. Et tu sens seulement quand une situation va, ça va juste m'éprouver. Donc toi-même, tu continues à t'écouter. Il y a la chance, j'ai envie de dire, qui va débarquer sur ton chemin. Mais surtout, pour moi, c'est cette énergie et c'est la personne que tu es, tu vois, comme dans sa globalité, qui fait en réalité que tu peux mener n'importe quelle situation à bien. Mais tu le sais, tu le sais, mais il faut qu'on te le dise de temps en temps pour que tu ne te laisses pas sombrer, ou bien j'ai envie de dire, pour que tu ne te tires pas vers le bas, puisque. Ah, non. Tu ne vas pas recroiser ce genre de situation, puisque la prochaine personne, tu pourras l'attraper. Enfin, si tu veux. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Donc on parle vraiment, vous voyez, comme de situation où. Que tu dises qu'il y a des personnes qui ont aussi, tu vois, comme de l'autre côté, que ce soit un homme ou une femme, vous voyez, c'est la personne aussi, elle peut avoir peur. Hein.
La personne aussi, elle peut ne pas avoir confiance. Hein. La personne en face, elle peut, j'ai envie de dire, bugger aussi quand tu es dans ses parages. Hein. Je te dis ça juste comme ça. On va prendre un petit message avant de terminer. Donc, n'oublie pas, hein, le soleil, c'est fait pour briller la journée. Le soir aussi, ça peut briller. On ne sait pas. Hein, on ne sait pas sur quel coin de la planète tu es, toi. Hein, tu vois? Je dis ça comme ça. On va regarder ça. On va prendre un message. On a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Moi, je te dis, c'est toi-même qui as peur. Personne n'a peur pour toi. Toi-même, tu as peur. On a la relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Donc, ça veut dire pour certains, vous êtes déjà dans un espèce de lien avec une personne. Et laissez vos amis vous aider si vous voulez mener cette personne à l'engagement. Si tu veux attirer l'âme sœur seulement, on te dit, il faut tout simplement te laisser aider et puis tu attireras l'âme sœur. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.